YouTube, bonjour! C'est Sean Kazma, j'espère que tu vas bien. Chapitre 16. Nous nous préparâmes à embarquer vers de nouveaux horizons. Après 2 heures de répit et quelques papounages, on s'apprête à décoller vers là où se trouve Souli. Souli? Let's go! Passe dessous. Tu tiens bon? Je crois qu'il y a beaucoup de trésors ici, mais on va voir. Tu peux la lâcher. On a été bon, hein, je trouve, dans le navire. Sauf dans la deuxième partie où il fallait courir vite. Courir vite. On a eu un trésor, je crois. À mon avis, on en a loupé 3-4. 3-4, facile. Mais je suis quand même content parce que le chapitre où il y en avait 9, j'ai eu les 9. Donc à partir de là, du grand art. Du grand art. Alors là, c'est obligé. Il y a un trésor. Attendez. Est-ce qu'il faut aller là-bas? On dirait qu'il y a une sortie de l'autre côté. Tiens, il est là. Je veux dire, c'était obligé qu'il y ait un trésor là, dans le petit périmètre. C'est bon, là. On est à 63 trésors, je crois. Écoutez, vu que ça se passe plutôt pas trop mal en termes de trésors, toujours... On force, hein, on essaye d'aller tout plus loin. Si on peut atteindre les 70... Très cool. Merde. Est-ce que ça va? Ouais. Ouais, super. Aïe. On pourrait sortir par cette fenêtre. Hein? Quelle fenêtre? On doit monter. Ah, cette fenêtre. Ok. Mais on doit monter. Tant bien, il y a un 4x4. Quoique, il y a un monte-charge, c'est plus rigolo. Non? 4x4? 4x4. Si on met le point mort, on devrait pouvoir la pousser. Je pousse et tu tournes. 2 petites secondes, hein. C'est bon. Bien. Je pousse, tu tournes. Ok, let's go. Allez, les muscles. Les muscles. Bon, après, là, en vrai... la montée, jamais tu l'as fait. Jamais tu l'as fait, mec. Mec. C'est encore loin. On y est presque. Continue. Nathan, le dos de fer, hein. Essayez de trouver les clés. Nathan, le tu mur, hein. Pousser. Nathan, la masse. Ok, tiens-la en place. Après, en vrai, ça. Après tout ce qui s'est pris, il paraît que... Ah, c'est bon? Vite, je tiens plus. Ok. Je vais pas oui, il paraît que à chaque fois qu'un os se brise et se reconstruit, du coup, avec le soin, des docteurs, bien sûr. Aïe, Ça fait mal. Vos os deviennent plus solides qu'avant. Et vu que Nate a tendance à se casser un truc toutes les 25 secondes, il y a des chances pour que maintenant son squelette soit en adamantium. Hein, vraiment. Mais un espèce d'adamantium naturel. Genre tout doux. Ok. Ok. Ça se passe. Ça se passe. Par là? Yes, par là. L'objectif. L'objectif... Ah, le dos. Nya. Ce moment m'a trauma à cause de la fenêtre. Ah ouais? Ah, pas trouvé ça si dur. Tu parles d'un avion? Je te jure. C'est pas l'avion qu'on avait vu la dernière fois. Attends une seconde, j'ouvre la porte. Fais attention, TG, j'entends deux voix. Et moi on m'a dit TG. On m'a dit ta gueule. Ça m'aurait pas plu, hein. Attends, que se passe-t-il? Ok, on descend pas tout de suite, hein. On descend pas tout de suite. Ouais, c'est l'avion qu'on avait vu la dernière fois. Celui qui était énorme. Il m'entend de marcher? Je peux descendre sur le techo. C'est moi ou ça tire? Attendez, je comprends pas, là, pourquoi... Pourquoi ça fait du pompon à l'infini? Attends, j'ai fait bugger un truc? Mais pourquoi ça tire à l'infini? Ça me perturbe!
Ah d'accord. Elena a voulu se la jouer en solo, alors c'est un jeu en coop. You le méchant. Chérie, je suis l'homme qui tire le plus précisément de ce coin du monde. C'était bof. On enchaîne. yes, je suis une ampoule. J'ai pas eu peur! Qui l'autre? Je suis sur un team kill là? On enchaîne? Moi je suis chaud. Hein. Ok. YouTube, on en est à 3h40 de jeu. Je te l'avais déjà dit, hein, mais je le redis. On aura largement fini l'aventure avant que tu visionnes le premier épisode. Tout ça pour. Ah! Tout ça pour dire que tu devrais nous rejoindre. Tout va bien. Pour les prochaines aventures, je veux dire. Ouais, ça va. La même? Ouais, on devrait pouvoir la refaire. La même, on devrait... Ah, pousser la voiture. Oui, oui, bien sûr. Ok, ok, ok. Cette fois-ci, on marche arrière? Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ça m'étonne, quand même. Y a pas de trésor, là. Parce que la zone n'est pas grande, et pourtant... Ouais, je sais, j'ai pas tenté l'assassinat aérien de tout à l'heure. Genre, quand on était sur le toit avec les fenêtres ouvertes et tout. Mais j'estime que là, on a bien géré, donc à partir de là... Ça tient plus. Let's go. Ça lâche. Oh merde, ça craint. C'est pas bon du tout. On était déjà repéré. On était déjà repéré. On n'est pas plus repéré. Hein. On était déjà repéré. Il y a eu des coups de feu monstres. Ah, pardon, ils sont juste allés voir. La voiture. Ninja. Ninja. Attends, on peut y aller là? Ninja. C'était quoi? C'est pas vrai. De toute façon, on l'a bien vu dans l'épisode précédent. Les faces comme ça, ça dure jamais. Cette illusion de face discrète, c'est agaçant, hein. Enfin, ou genre, tu te dis que tu peux tout avoir en mode fufu, mais en fait, bah non, le jeu est pas d'accord. J'ai eu qu'un seul trésor depuis le début, ça me perturbe un peu, hein. Pour moi, j'en ai déjà loupé un. Hein. Par là. Mm-hmm. Ok. Allons-y. Pousse-toi. Merci. Fais pas ta souli, hein. Tu me saoules, lit. Lol. Ok. Discrétion. 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 Ah. Nyaha. Ma. Suffisait de demander. Non mais il y en a combien? Bien trop. Plus effectivement. Possible. Le plus discrètement possible. Ça tombe bien, il y a un camion. Alors attends. Là, il y a deux cocos. Là-bas, il y a un autre coco. Ils sont pas tant que ça, mais ils sont assez pour me gêner en fait. Et je préfère en éliminer le maximum. Tac, 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 tac. Toi, t'es donné. Alors, étrangulation. Ok. Toi, t'es donné ou pas? Repéré ou pas? Non. Maître Ninja! Rien du tout. Roulade. Ah merde. Quoi? On est repéré. Quoi? Qui? Quand? Comment? Ouais, bah adieu les fêtes surprises. Faut qu'on élimine ces gars au plus vite. Relève pas la tête. Attends, je comprends pas. On est repéré ou on est parfait? Aïe. M'a perturbé un peu cette histoire. M'a perturbé. Dommage, on était bon. Bâtard! Bâtard! Je suis mort. Pourquoi j'ai un pompe? Pourquoi j'ai un pompe? Enfin, tant mieux, mais
Je croyais avoir un snipe pendant 2 secondes. Ce qui me désavant. Au sol. J'ai pas le temps de respirer, j'ai pas le temps de respirer. D'accord. Alors sachez que j'ai voulu me cacher. Et qu'en fait ça a droité cet homme par défaut. Dommage. Ah là 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 là. Bon, j'ai toujours le trésor. Oui, oui. Ah, dommage. Quand tu gères une phase comme ça, quasiment aussi bien, t'as pas envie que ça s'arrête, tu vois. En fait, j'ai merdé à un moment. Quand j'ai essayé... de traverser. J'arrive. Donc en fait, je vais poursuivre par là. Personne. Ah, merde. Ta mère. On est repéré. Oh, fais chier. Lance grenade. Bah adieu les fêtes surprises. En vrai, je l'ai vu, hein. Je l'ai vu. Je l'ai étranglé devant son pote, c'était perdu de base. Relève pas la tête. Let's go. Roll back, roll back, roll back, roll back. Ok. Elle a accompagné de combien de mecs là? Un. 2. 3. 26. Cours, 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 cours. Là. Il est où? Il est où? Je l'ai eu. Là. Oui. Précision au masculin. Gilette. Quoi? Quoi tu cries? T'énerve pas, ça va bien se passer. Elena babe. Ok. Ça s'est bien passé. Ok, je sais pas où on en est, hein. Je sais pas où on en est, j'ai arrêté de compter. Là, là y'a un gars. J'ai cru, j'ai fait le mec. J'ai pu mettre 3 bastos et puis après il s'est réveillé. Ok, bon. On a une idée de comment on engage. Peut-être que je devrais arrêter d'essayer de les éliminer. Ah merde. Mais quoi? Mais non, mais... Oh, c'est pas vrai. Mais j'ai même pas essayé. Oh, j'ai le mort. Mais... Elena, pousse-toi. Vraiment. Ah, bon, tant pis. De toute façon, on est nul. Avoir l'impression de mettre des piqûres. Hein. Voilà, au moins avec ça j'ai l'impression de tirer pour de vrai. Puis j'ai un vrai chargeur. Oh, merde. Suivant. Au sol. Je suis mort. Lui oui. T'es pas... Ok. Sûr. Ok. Ok. YouTube, c'est la fatigue. YouTube... Prudent. Prudent. Voilà. Phew. Non. Oui. Oui. C'est bon. Il en reste. Il en reste. Ah. Quoi? 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 Où ça? Quoi? Mais il est pas mort lui! D'accord. Si en fait il était mort, j'ai juste déglingué son cadavre. Ok. Glitchman! Glitchman! Il est resté à côté, hein, parlons-en. Il a dit oh oh, mais cet homme est... NON! Oh merde. Ah, ah. Si je réussis pas maintenant, je réussis jamais. Si je réussis pas maintenant, je réussis jamais. Aïe, 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 aïe. Taras. C'est bon. Il y a un snipe, il me stresse. Stresse lui. C'est bon. Il est où? Il est où? Il est où? Fils de...
Putain, mais y'a combien de blindés? Moi, il m'a perdu du... T'es un enculé. Mec, c'est pas légal, ça. Ça, c'est pas légal. Mais casse-toi! Oh, putain. Je t'assure, la phase est faisable en mode discret. Non, en vrai, oui. En fait, je pense que l'ensemble... Oh putain, je croyais qu'il était blessé. Je croyais que c'était scénarisé. Je pense que l'ensemble de ce chapitre est réalisable en discret. Hein? Ça tire encore? Mais c'est pas vrai! Non. Il a un lance-grenade! Oui, donc je disais, je pense que l'ensemble de ce chapitre est réalisable en mode discret pour la simple et bonne raison que de 1, j'avais un silencieux, que de 2... Merde. Non, puis même, genre, t'as tous les codes d'un niveau de type Fufu, d'un vrai niveau de type Fufu. Ce qui change d'ailleurs. Bon, c'était grand. Pas comme moi. Trésor. Oui, bonjour Elena. C'est pas toi le trésor pour le coup. Excuse-moi. Je te déçois, mais pour le coup, je ne parlais pas de toi. Je peux pas récupérer son lance-grenade du coup à lui. Ok, c'est noté. Ah. Excusez-moi, je souffle un peu. Je reprends de l'oxygène. Et on enchaîne. Quelle merdasse. Je trouve bien pour ces conneries, moi. Pouh. Mais quelle idée de jouer en difficile aussi. J'ai vu, hein, c'est là. Je regarde juste. Bon, je pense que c'est bon. Dans le 2, t'appelais blindé les Rogers. Ouais, bah maintenant c'est les Panzers, c'est des cousins suédois. C'est par où? Parce que c'est pas la porte. Ah, attends! Clac. Ok. Temps pour moi. J'y étais presque. On y est presque. C'est ouais, juste c'est ce que je disais. Tu te répètes. C'est bon. T'es vieille. My. Oh, il est là. Ah, c'est lui, effectivement. C'est l'avion géant. Ok. Il va falloir courir très vite. Oui. Allez, on accélère. Petit trésor caché. Non. Les trésors. Où étiez vous? D'accord. Ok. C'est la dernière ligne droite. Ouais. Je vais grimper là-haut et après je t'aiderai. D'accord. Couvre-moi. Ok. Et qu'est-ce que tu... Elena, écoute. Oh, bon sang, je savais que t'essaierais de faire non. ça. Non. Descends. Je suis enceinte, Elena. Soyons honnêtes. Je n'ai aucune chance. Et quand j'ai failli te perdre... Tu vas pas me perdre. Je ne veux pas revivre ça. Alors prends cette Jeep là-bas et fiche le camp, ok? Pour moi. Tu n'as pas beaucoup de temps. Fonce. L'amour d'un homme qui va mourir avant la fin. Hein. L'amour d'un homme qui a pas compris le concept. Est-ce que j'ai un timer? Je pense que j'ai un timer. Mais mec, mais j'ai même pas eu le temps de voir! Je sais pas où je vais. Ok, ah, ça devait être par là. J'ai juste vu que je pouvais grimper. Bah, ok. Ah! Let's go. J'ai...
dois pas atteindre la piste. En fait, tu vois, à la différence de trucs des fois que je dis, mais j'ai une balle. À la différence de trucs que je dis des fois, bah là, tu vois, ça m'emmerde de n'avoir, de ne pas avoir eu un checkpoint au tout début. Parce que là, du coup, je me retrouve en plein milieu d'une situation. Hop là. Où je dois reprendre en plein milieu de quelque chose, en fait. J'aurais bien voulu relancer la phase complète. Bon, j'ai loupé un trésor. C'est sûr. C'est sûr que j'ai loupé un trésor. Au moins un. Ok. Question. On monte comment? Elena. Elena, si t'es une belle gosse, tu débarques à ce moment-là. Elena, Elena, Elena! C'était sûr, c'était sûr. Cette phase était obligatoire. Soit parce que c'est un vrai jeu vidéo d'américain, soit parce que c'est sous licence Fast and Furious, soit par... Ah ok. Soit parce que c'est un Call of Duty. Cette phase est obligatoire dans le jeu vidéo. Allons-y! Oh, cette phase incroyable! Oh, c'est moi qui conduis! Oh, j'adore! Ok. Ok. Attention. C'est bon, c'est bon. On l'a, on l'a. Prêt à sauter. Prêt à sauter. Maintenant. Maintenant. Là. Oui. Pogo style. Je t'aime, bébé. Ce qui est trop bien avec ce genre de jeu, c'est que ça s'arrête jamais. Et qu'il n'y a pas de chargement, ça dynamise le tout. Ok. Quelques heures plus tard. Chapitre 17. Un passager clandestin. C'est pas moi. Allons-y. Incroyable ce passage, incroyable. Vous pensez on peut finir le jeu aujourd'hui? En deux sessions? Non, ce serait trop. Oh! Merde. Mais quoi t'es... Ah, c'était scénarisé, pardon. C'est la merde, c'est la merde. Oh, c'est un gros en plus! Y'a pas la touche d'esquive, y'a pas la touche d'esquive, y'a pas la touche des... Oh non. Non! Non, t'es une pute, lâche-moi! Je vais mourir. Ma vie c'est de la grosse merde. Ok, c'est un gros. On sait battre les gros. Alors je lisais un peu le chat par contre, bien sûr, hein, si vous voulez inventer des gages d'ici la fin du jeu en mode challenge, allez-y hein. Genre finir le jeu en ayant... hésitez pas. Et je les validerai par la suite quand j'aurai 2 minutes. Ok. Ouais, cette vue. Ok. Ah! Mais quoi? Mais attends. Pourquoi il est de retour lui? Salope! Attends, j'ai pas compris, c'est un autre? Ah d'accord, il revient à l'infini. Ok. Tu dégages. Salut mon gros. Ah, on va mourir. On va mourir, c'est maintenant. Oh bordel. Oh bordel. Non mais là t'es obligé de mourir. Ah ok. Adieu. Damn. Ce passage il est incroyable. Bien sûr je m'en rappelais les casemas, bien sûr. Ah non, par contre j'ai pas de flingue. Donc c'est pas honnête. J'ai pas de... Ah ok, pardon, fallait le choper. Le jeu me l'a pas dit. En même temps si le jeu me disait tout. Oh, ça j'étais insane. Imaginez ça sur PS3. Ok, c'est le décès. Je peux pas tirer. Sachez-le. Le jeu ne m'autorise pas. Je vais mourir. Allez. Let's go. Ok. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Pardon, que se passe-t-il? Toujours plus. Oui bah oui.
Ouais bah ouais. Ouais bah. C'est quand même chiant de niquer des phases comme ça. On se met d'accord. Mais quoi, on est en feu, bien. Et 2 secondes. S'il vous plaît. Les gars. Oh oh oh. Hein. En fait, je crois que ça bouge trop dans tous les sens, que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Ok. Ok. En fait, je peux pas. Non, le flingue c'est bien. Ouais, ça bouge trop pour pouvoir faire des trucs. Clac, 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 clac. À l'aide. À l'aide. Ah, je peux pas me battre. Je peux pas tirer, hein. Mec, mais tu peux pas. Ok. C'est maintenant. Mais ils sont trop nombreux. Mais cette phase est dure. Rendez compte qu'il y a quand même 2 modes de jeu au-dessus, hein. Enfin, 2 modes. Si, oui, si, si, si. Il y a le mode extrême. Que j'ai quasiment fini dans le 1. Oh non, fais chier. Non, non, non. Merde. C'est dur. Et il y a le mode brutal. Cela dit, le mode brutal, je pense que... En vrai, le jeu est en normal. Les gars, ils sont 22. Vous êtes 22. Cache-toi. Mais cache-toi. Ok, là c'est le moment où en fait t'es derrière une table et le jeu te dit bah non t'as pas le droit. Ok, alors cette fois ils se sont tous fait emporter par contre, tout à l'heure c'était pas le cas. Je suis mort, c'est le décès, adieu, à l'aide. J'ai pas de parachute. Voler sans aile. À quoi tu te tiens depuis tout à l'heure? Ah ok. Bon, alors, soit je développe un 8ème sens, hein, parce qu'on est plus à ça près avec tout ce qu'on a obtenu depuis le début de la saga. Soit... Y'a parachute. Y'a pas un chute! Tu me chopes! Et tu me l'ouvres! On va pas mourir maintenant! Merde! Y'a encore 2 jeux derrière! Rends le cul! Oh merci! On a envie! On n'est pas mort! Youpi! Fin du jeu! Merci à tous! Générique! Non, je déconne, hein, il reste des trucs. Chapitre 18. Les Aroub Al-Kari. Pardon, excusez-moi. Je ne sais pas prononcer. Waouh, le désert. Incroyable. Admiré. Oh. J'y suis. Dit Goulas. On s'en est sorti. Ok. Ok, je réfléchis. Reste oui. Calme. Réfléchissons. Allez, pas, va voir ce que je trouve. Exactement. Tête de l'eau. Qu'est-ce que c'est? Tête de l'eau. Tête autre chose. Ah, oh non. Oh non. Oh non. Retour à Delirium City. Merde. On est mort. Alors, selon moi, c'était tout de même une bonne idée de s'arrêter 30 secondes pour récupérer des ressources. Et ce qui est très très fort, les Kazma, c'est que cette phase, c'est moi qui la joue. Perdu quelque part en plein milieu du désespoir,
alors que la mort le guettait. Tony Stark s'apprête... Nathan Drake s'apprêtait à retrouver la civilisation. Ou quelque chose qui ressemble à un snack. Avec des sodas à foison. Des hamburgers. Parce que c'est un Américain. Il ne se nourrit exclusivement que de burgers ou de mac and cheese. Attendez. Un peu compliqué là. Attends. Je dois aller où? Attends. Je crois que je suis perdu. Attendez. Je dois aller vraiment quelque part? Tu veux pas descendre la dune là? Il veut pas descendre la dune? Ok. On va longer la dune. On verra bien. Je suis perdu. Ma vie c'est de la merde. Ah, je sais pas où je vais. C'est affreux. Allez, je vais mourir. Je suis un petit être dans un océan de problèmes. C'est par là? Ça avance. Ça avance. Donc on va dire que c'est potentiellement par là. Tu fais demi-tour. Mais le jeu me dit pas où aller. Ah oui, merde. Ah putain, il y a mes pas, il y a littéralement mes pas. Non mais vas-y. Aïe, 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 aïe. La folie du désert. Hein. La folie du désert. Ni une ni deux, on va croiser Aladdin. Ou le génie en vadrouille. Ok. On continue. On continue. On lutte. Désespérément. On lutte désespérément. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La caméra qui sait plus trop quoi faire en fait. La musique non plus. Là, il y a tout l'orchestre devant qui s'est dit « Là, en fait, le joueur, il est pas censé avoir déjà bouclé cette phase ?»« Chut, ta gueule, c'est un casma. » Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait dû prévoir un deuxième morceau. « Merde! Non !» Le fail. Le fail. J'ai trouvé quelque chose. Attendez! Là-bas! Je devrais avancer comme ça, en fait, c'est plus simple. Oh! Attends. Oh. Est-ce que la caméra m'aurait dû... Je hais le sable. Ok. Ok. Il fait chaud. Sans déconner. Ok, je trouve. De l'eau. Mais en vrai, vu tout ce qu'il y avait dans cet avion, moi ce que je comprends pas, c'est que t'es pas pris genre vraiment, hein, 20 minutes, t'es plus à ça près, hein, pour récupérer une gourde, le minimum en fait. Te couvrir la tête. Putain, Nate. Oh, t'as fait le tour du monde. Merci. Tu sais que c'est pas... C'est facile. Non mais personne creuse un puits au milieu de nulle part comme ça. Personne, Nate. Personne. Personne, Nate. C'est forcément une arnaque. Je m'en fous qu'elle soit fraîche ou pas. Nom de Dieu. Dis-moi que c'est une blague. Ça baise. Ça baise. Quoi maintenant? Est-ce qu'il y a un trésor? Tu sautes la tête là-dedans. Et t'espères pas mourir. Allez. Il faut continuer. Pour YouTube. Twitch, il en a rien à foutre. Twitch, de toute façon, il nous a jamais soutenus. Ça fait combien de temps on marche? Ok. Où est-ce que t'es, celui? Où est-ce que t'es? Alors, là, l'idée, c'est qu'il faut suivre les étoiles. Just. Just, j'avoue, en HD, ça aurait été pas mal. C'est Orion. Voilà, ah. La grande ours. Ah, c'est bien, toi, tu les as vus, pas moi. Merde. J'aurais dû être marrant. Je vais canner! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il?
On est le lendemain. À qui je parle ? Je suis crevé. Sully à l'horizon. J'arrive, Sully ! Là. 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 Un oasis. Allez. Allez, force. Allez, force. Oh, c'est pas un vrai. Ça existe pas. Ça existe pas, ce genre de choses. Ça peut pas. Ça peut pas. C'est limite une flaque d'eau, le bail. Avec trois palmiers. Deux. Deux et demi. Il va disparaître. Il va disparaître pile quand je serai devant. Quelle racine s'accroche. Des papas, des papas, des papas, fils de... Quelles branches peuvent pousser dans ce tas de pierres. Je vais pas venir. Oh, merde. Fils d'homme, tu ne peux le dire ni le deviner. Car tu ne connais que quelques images brisées. C'est le puits. Où le soleil tape. Oh, c'est pas vrai! Pas. Le criquet ne soulage pas, et la pierre sèche ne se fait pas l'écho de l'eau. Est-ce que c'est une énigme? Putain de merde, je tourne en rond! Est-ce que je dois suivre Sully? Merde! Attends, attends, s'il faut, c'est une énigme, hein! Y'a mes pas, incroyable! Y'a mes pas, incroyable! Non, c'est bon, on avance. Ok. De l'eau. Ou des primes. Quelque chose qui peut me sauver. Pour chaque prime que je recevrai, il y a d'ombre quand ce sera un verre d'eau. Ce rocher rouge. Viens donc à l'ombre de ce rocher rouge. Allez, on va canner, on va canner. Oh là là. Et tu verras quelque chose de différent. Ok. De ton ombre qui le matin se promène derrière toi, ou de ton ombre qui le soir surgit pour te retrouver. Je te montrerai la peur dans une poignée de poussière. Je trouve ça malin que la peur actuelle là se soit dirigée par la voix de la méchante. Je trouve ça grave malin. Vous m'envoyez le souffle de Bombay. Allez-y Twitch, soufflez. Activez les modes de Bombay. Envoyez-moi du vent. Pitié. Enfin non, pas trop. Envoyez-moi du vent mais en plein jour. Il fait déjà froid là. À désert, c'est une angoisse. Hein. Le jour, il fait trop chaud. Le soir, il fait trop froid. C'est une angoisse. Tu t'allonges, tu meurs, Nate. Tu t'allonges, tu meurs. Non ! Nate ! Nate ! Sully ? Le vrai ? Non, ça peut pas être le vrai. Nate ! Sully ! Nate ! Sully. Debout. Aide-moi. Viens, donne-moi la main. Je t'ai cherché. T'étais où? Je sais pas depuis quand je suis là. Je crois. Sully ? Sully ? La vie est une pub. La vie est une sale pub. Ok. Ok. Je peux le faire. Je peux le faire. On va le faire. On va le faire ! Let's go ! Lâche rien ! Allez ! Allez ! Oui ! Sully ! On a quelque chose! Sully?
Par contre, juste, c'est normal une ville comme ça au milieu de nulle part là ? Oh bordel. Alors par contre, juste après le désespoir, la sécheresse et tout le reste, normalement tu te remets pas aussi vite aussi bien. Oh merde ! Allez go ! Allez go ! Les plans sont incroyables. Les plans sont incroyables. Et je suis content de voir que YouTube, t'as le meilleur rendu. Hein. Parce que vraiment, moi mon écran, il rend pas ça. Hein. Allez ! Allez ! Allez ! Attends, on s'est perdu là. Non, c'est bon ! Faites que ce soit pas un mirage. Ah, mais on est... Merde, comment ça s'appelle ? Non. Ah, putain. C'est une ville fantôme. Chapitre 19. Le début des angoisses. Bon ! YouTube, on va faire une petite coupure ici. On est sur la planète de Anakin Skywalker. La suite annonce du bon. Ou du pas bon. Forcément que ça va péter un moment ou un autre. Mais une ville comme ça au milieu de nulle part, c'est un peu perturbant quand même. Hein. Vraiment. À milieu de rien. Bisous à tous. À très très vite. Ciao ciao.